Hello tout le monde, salut la famille, bienvenue sur ma chaîne, une chaîne où je partage des astuces de soins de la peau, des astuces de produits pour prendre soin de sa peau. Bienvenue encore, moi c'est Dame Kwame. Aujourd'hui je viens vous parler rapidement de deux huiles précieuses que vous pouvez rajouter dans vos soins d'hydratation du corps et du visage. Donc tout de suite, je passe à la présentation de ces deux huiles. La première huile que je vais vous présenter, c'est l'huile de carotte, l'huile précieuse de carotte, voilà, l'huile précieuse de carotte, d'accord. Cette huile là est riche en vitamine E, elle nourrit intensement la peau. Quand vous avez des difficultés, des peaux qui sèchent, asséchées, des peaux qui sont un peu fatiguées, on a fait trop de pommade, on s'est trop éclairci la peau et tout, on commence à avoir la peau qui fatigue et tout, voilà, je vous propose une huile qui va venir vous aider à bien vous hydrater, à bien nourrir votre peau, hein, ça va permettre à la peau de reprendre son élasticité qu'elle a perdue avec les autres produits qu'on a utilisés, d'accord. Donc cette huile là, je vous la conseille, l'huile précieuse de carotte, il faut l'introduire dans votre routine d'hydratation. Ensuite la deuxième huile, celle là c'est mon chouchou, c'est l'huile de jojoba, d'accord mes chéris, l'huile précieuse de jojoba. Celle là je vous la conseille surtout pour les personnes qui ont une peau à tendance acnéique, une peau très grasse. Il faut utiliser cette huile-là. Elle est très bonne pour le visage. Les personnes qui ont des problèmes d'acné, qui ont du mal à bien hydrater leur peau parce que peut-être que les huiles sont trop grasses, trop collantes, trop tournantes. Celle-là, elle pénètre bien sur la peau. Elle pénètre correctement, cette huile précieuse de jojoba. Elle pénètre très bien, elle hydrate intensément. Elle aide pour les personnes qui ont des problèmes de rougeur de la peau qui rougit, qui rougissent au soleil, à la chaleur, les peaux du visage qui rougissent seules, vraiment, les peaux irritées, les irritations, elle est très bonne. Elle est très bonne. Après votre séance de gommage, votre séance d'exfoliation, vous utilisez ces huiles-là pour faire votre hydratation, mais vous n'allez pas regretter. Elles vont vous hydrater intensément. D'accord? Donc vraiment, je tenais à partager ces deux huiles-là avec vous. Ces deux huiles-là. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à introduire vraiment dans votre routine des huiles comme ça, hydratantes, des huiles végétales comme ça, pour bien vous hydrater la peau, parce que une bonne routine, un bon soin de corps sans hydratation, vraiment c'est pas un soin de corps, d'accord. Donc vraiment mes chéris, je vous dis merci, merci d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser des commentaires mes chéris. À bientôt pour d'autres astuces, pour d'autres vidéos, pour d'autres partages. Allez, je vous adore, mes chéris.